Coucou tout le monde, c'est Enax et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Glitch Lab. Alors peut-être le laboratoire du glitch, on sait pas, on va voir ça tout de suite. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais bon, on va voir ça. En gros, c'est un jeu où on va avoir les solutions et les bugs et les triches, le glitch. On va pas avoir besoin de glitcher pour tricher. Ça va être le but du jeu, en fait, de glitcher. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais vous allez voir, ça devrait être marrant. C'est parti. Alors, il était censé y avoir une intro ici, mais on n'a pas eu le temps, donc voilà, on a abrégé. Explain, plot, and everything. Qui devait expliquer les intrigues et tout le reste. Et ouais, tout long et tout. Due to budget. Mais nous n'avons pas assez de budget. Et j'avais coupé comme ça. Je sais pas, hein, franchement c'est une traduction vraiment très très nulle. Mais on va dire qu'on a compris. Welcome quand même, hein, to Glitch Lab. Bah merci, écoute. Est-ce qu'on doit y aller? Ouais, mais d'abord j'ai envie de voir ce qu'il y a. On peut pas? Si. Non. Bon, on va se suicider du coup. Space. Mince! Je peux pas retourner. Ça me plaît pas ça. Ça c'est quoi ça? Ça a l'air d'être les niveaux. Oh, on peut glitcher! Ah, quand même. C'est bizarre. Ah, bah c'est bon, on y est. Donc là, il y avait quelque chose. Press up, donc voilà, to enter door. Ah, ok, c'est tout ce qu'il me dit. Ouais, mais moi, je vais aller chercher ça. Je peux pas. C'est chelou. Ah, là, il y a un truc. Comment je saute? Ah, ok. Comme ça, hop. Et là, coins of or rolls. Alors je vais aller chercher mon portable pour avoir la traduction à côté de moi. À tout. Ah d'accord. Donc PS, les coins sont inutiles. Voilà. J'adore ce jeu. Donc faut vraiment comprendre l'anglais, hein, parce que là, tu vois, le petit truc qui était drôle, je pouvais pas le comprendre moi si je suis nulle en anglais. Hop, ensuite, use space to jump. Ouais, sans deck. J'adore, tu sais, il te le dit après que t'es obligé de sauter. Ah, purée. Ça s'annonce drôle. Use E pour machin. Up. And up for operating levels. J'ai un accent pourri. Check le... Donc, niveau. Ont un unique bug. Qui vous... You have que tu dois utiliser pour prendre la sortie en gros. Ok, donc en gros il me dit pas ce que c'est le bug, c'est ça? Ah là il y a un mur, c'est bizarre. Ah et là il doit pas y avoir le mur. Ah ouais mais non. Comment je fais? On va voir ça là-bas. Ah ouais. Non mais c'est extra, regardez. Oh là là. Voilà, on marche sur l'écriture, c'est tout le Glitch Lab, voilà. C'est absolument génial. Ensuite, nouveau level 2. Donc il y a combien de levels on a dit? Il y en a 16. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est cool. Mince. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Mince. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pas grave. This is a trap. Ok. C'était un piège. J'avais bien compris. C'était pour ça que j'avais pas fait exprès, mais c'est pas grave. La symétrie est très belle. Enfin, est belle. Symétrie, c'est beau. Ça doit aussi être un... Part on ton si shift. Hein? Part-ton? On va voir ça parce que là si je comprends pas. Là je comprends rien. Alors. Apprenez l'anglais avec Enax. Part a tom. S-I. Ensuite si.
Ok. La partie Chiton de SI. Ok, ça m'aide pas trop. On va suicider, hein, ça vaut mieux, je crois. Wahoo! Part is beautiful. Luffy Rip. Ok, donc à mon avis, en gros, ça veut rien dire tout ça. Ah, attendez, si je le lis à l'envers. Quand... Ça fait C-O-N... Start... Trust... Contrast... Is... Ah, ok, faut... Contrast is beautiful. Ok. I understand... Turned and ici... This is... Not a... This is not a trap. Ok. Oui, parce que je peux revenir en gros. Ok. Ce jeu m'a l'air excellent. Par contre, moi, je suis vraiment très nulle. Bref. Voilà, c'est pas grave. Ouais, donc, ça va me faire réviser en même temps l'anglais et en même temps ma En même temps, l'anglais à l'envers. C'est une particularité de ce jeu aussi. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, donc ceux-là, ils font pas mal. Ça m'étonne tellement pas. Ah, celui-là fait très mal. Ok. Wow, le glitch qu'il y a là. Je comprends rien. C'est marrant, on est un peu Slenderman, le petit bonhomme. Hein. Il est un peu moche et il ressemble un peu à Slenderman. Oh, mais moi, je veux les trucs inutiles, si tu veux. Il y a eu un petit bug. Voilà, merci. Ensuite, donc on est au level 4. Cool. Là, il y a un levier, j'imagine que... Voilà. C'est pas beau, ça. Pour le moment, il n'y a pas trop de glitch non plus. Hein. Si, quand même. Comment ne pas vous dire... Il est là en solide. Il est là en solide. Ok. Ouais, mais comment je le prends, ce solide? Ah. C'est embêtant. C'est très embêtant. Non, c'est pas solide du tout, hein. Il se fout de ma gueule. Non, ça marche pas, on est d'accord. On sait jamais, hein. Il peut y avoir des téléportations. C'est un jeu de glitch, hein, les amis. On ne sait jamais. Ok. C'est un jeu qui prend la tête aussi, les amis. Je sais pas, moi, je demande. Ah, donc ce n'est pas du tout solide cette fois-ci. Ça doit être ça. Alors attends, parce que tout à l'heure on pouvait marcher dessus. Comment totalement pas vous dire il est là insolide. C'est ça qui me dit Google Traduction, je fais de la pub wesh. NTR. You look nice today. Ah, non, je veux pas tomber. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi, mais c'est bon. Parce qu'il y a un glitch. Oh, j'ai compris le but du jeu. Ok. 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 Et ok. Bon, celui-là n'était pas trop glitché. Pour le moment, mon préféré, c'est quand même le premier. Hein, où on marche sur le... Ok. Ah, c'est génial. Fun time is over. Ouais, non. Je dis rien. ça vaut mieux. Ok, donc on est toujours mort. Hein. Ouais. C'est pas grave. Moi, j'aime bien mourir de temps en temps, tu vois. Ok, donc celui-là était plutôt facile. Je sais pas du tout si le jeu est vraiment bien, s'il a aucune utilité, si quoi que ce soit. Hein. Franchement, c'est une découverte pour moi et pour vous, je pense. Parce que le jeu n'est pas très connu. You're not going to die, young... Tu ne vas pas mourir, jeune utilisé. Utilisé. Je sais pas, utilise ça. Je sais pas trop ce qu'il dit là. Là, je ne comprends pas tout. Et si, par pur hasard... Non, on peut pas. Non, on peut pas. Ok. Parce que je suis sûr, il y a un moment, il va falloir glitcher comme ça. Oh, mince, là, je suis dans le 5. Donc on est d'accord, là il y a des trucs bizarres de moi en toutes les formes, toutes les... Peut-être que je clique sur un truc.
Non, ça fait pause. Ok, c'est pas ça. Et là, il y a comme un espèce de labyrinthe. Regarde, là, ça va là. Je peux pas vous montrer parce que j'ai pas la souris, mais... En gros, il y a ces trucs-là. Les bonhommes comme moi, là. Et en milieu, il y en a pas. Quand je fais ça, ça met une trace toute blanche où il y en a pas. Et je pense que du coup, c'est peut-être là. Non, je sais pas. Non. Je sais pas, il y a forcément un glitch, là. Oh! Oui, j'avais raison, putain. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'avais raison. Sea gem, ça veut dire quoi, ça? Ça va être un truc à la con, je le sens bien. Ok, ça veut rien dire. Enfin, lui, il connaît pas. Ah, c'est du polonais. Ça veut dire 7 en polonais. D'accord, ok. Ok. Alors, oh non, mais déjà que le... C'est compliqué, mais là... Did you... je me mets de l'autre côté, hein. Désolé pour le bruit. Did you acutely turn? Donc, did you acutely turn your head upside down? Est-ce que t'es obligé de tourner la tête à l'envers pour voir, en gros, je sais pas. Je comprends pas, en fait, hein, complètement. Non, je suis pas obligée, regarde. Hop là, hop là. Je voulais comprendre, mais bon, il veut pas. Ah ouais, d'accord. Donc, some level on... quelques levels sont normales. Sont normaux, désolé. Ça, c'est de parler... De passer de l'anglais au français. C'est chiant. Ok, donc, ouais. Ah, j'aime bien le côté... Ça me rappelle un jeu qui s'appelait Tom... Oh, la musique est très très chiante. Je peux pas l'enlever, là. Voilà, je la remettrai tout à l'heure, mais là, j'ai envie de parler, en fait. C'est un peu mon... Some or not. D'autres noms. Donc, ça me rappelle, en fait, un jeu qui s'appelait Thomas Was Alone. Celui-là, je l'avais acheté. Oui, j'avais acheté le jeu. Et, bon, bah, voilà, on a fini. Et, en fait, ouais, il y avait... Oula ! Il y avait des bonhommes qui allaient... j'imagine qu'il faut pas qu'on soit dernier. Oh non, en fait, on s'en fiche. Il y avait des bonhommes... Il y avait un bonhomme vert qui, justement, quand tu sautais, il changeait de gravité, en fait. Enfin, comme dans le jeu qui s'appelle G-Switch. Tu sais, le jeu que tu joues en cours, quand tu te fais chier avec tes potes. G-Switch, voilà, tu t'en souviens? Pardon. Ok, je l'ai raté. Comment on fait pour le prendre? Bon. Ok, on le refera au pire. Et donc voilà, le petit vert, il changeait de gravité. Et enfin de... Ouais, il passait... Si tu sautais, en fait, ça te faisait aller sur le plafond. Voilà. Et ça me rappelait ça. Voilà, c'était con, hein, comme anecdote. Mais voilà. À force, vous commencez à me connaître. 9-8. Donc c'est le 7. Non, c'était l'autre, le 7. Pourquoi? Ça, c'était fait exprès. Hein. Je veux voir un truc. Ok. Alors, il n'y a rien à faire là. Et en fait, ça va être... Mince. Tu sais, moi, j'ai même pas besoin de... En fait, plus je meurs, plus le truc, il descend. Et on va se retrouver en bas, vous allez voir. Ça va être... Mais non, mais je tombe tout le temps là. Les sauts sont très longs, en fait, à... C'est fait exprès, hein. C'est tout calculé pour pouvoir gagner plus vite. Il y a Understood. Et voilà, parce que là, tu te dis, mais comment faut faire? Et plus tu meurs, plus tu peux passer. Et voilà, maintenant, tu peux presque passer. Et voilà. C'était le glitch. Et je trouve que ce glitch-là était vraiment très, très intéressant. Je trouve ça très classe. 0-1. Ok. Oh là! Ok, donc là, quand j'appuie... c'est les touches inversées. Donc, quand j'appuie sur la touche de gauche, je vais à droite et quand je vais... C'est pareil pour... non. Press. Space, c'est toujours pareil. Donc, c'est pas très compliqué quand t'as compris. Ok. Donc, ça, c'est moi. C'est un peu casse-couille. Parce que, du coup, il fait tout comme moi.
Il faut qu'on l'ait. Parce que là, je peux pas m'en débarrasser. Il faudrait qu'il fasse pas le même mouvement que moi pour que je m'en débarrasse. Mais ouais. C'est compliqué. Il faudrait un truc qui, moi, me bloque et lui, il bloque pas. Mais pour faire comme si j'avançais encore, en fait. Je pense que c'est ça. Mais là, il y en a pas. Mais non, mais... Non, il fait tout, quoi. Comment faire? C'est dur. Là, je comprends pas. Peut-être qu'il faut, tout simplement... C'était impossible. Et oui, c'était impossible, du coup. Fallait reprendre la porte, et voilà. Non, mais ce jeu est vraiment... Oh, la référence! Bon, ça, c'est Glitch Lab, bien entendu, déjà. Si vous allez sur Game Jol, vous allez voir que c'est la miniature du jeu. Il y a plein de trucs comme ça. C'est ce qui m'a un peu donné envie de le faire. Et surtout, c'est un peu une référence à Tron. Le jeu, vous savez, avec les voitures qui vont super vite et qui mettent des murs derrière eux. Et ben là, c'est un peu ça. Alors, attendez. Là, je comprends pas. G-I-V-1-1... Raptu. Alors j'ai envie quand même d'aller voir, parce que c'est bizarre. Ok, donc je sais pas ce que ça veut dire. J'ai essayé de chercher, il me donne un truc en finnois, mais c'est un peu la même chose. C'est bizarre. Je voulais chercher et me dire dans les commentaires ce que c'est, voilà. Pareil. Attendez, on a oublié lui. Désolé, mais moi j'aime bien faire les choses pas à moitié, tu vois, dit-elle. Ok, niveau 13. Alors il reste ouais, vraiment pas beaucoup de niveaux. Ça tombe bien parce que ça fait un peu 27 minutes que je tourne. There are supposed to be... Ah, ok. C'est la même chose que au tout début. Ouais. Welcome to Glitch Lab. Press Enter to Doors. Et là, PS... Ah mais non, d'accord. Quelle conne. J'étais là, mais pourquoi c'est exact? Ça aurait pu, hein. C'est pour ça que ça me surprenait pas dans un jeu pareil, que ce soit exactement la même chose. Niveau 13, donc, est-ce qu'on s'attend à quelque chose de très bizarre? Oh, on grandit, non? Oui, on grandit de beaucoup, beaucoup. Donc, potentiellement, on peut attraper des choses plus grosses, voilà. Et aller plus haut. Potentiellement, j'ai pas dit que c'était sûr. Tes petits pics, ils me font rien. Ah non, on tombe pas. Ok, comment je prends lui alors? Donc ouais, Glitch Lab, parfois un peu de réflexion et parfois juste besoin de... Ah, c'est vrai, mais cette musique-là, elle m'exaspère. Du coup, là, je baisse le son, hein, obligé. Du coup, là, on... Ok. Alors, ça fait rouge, vert, bleu. Pourtant, je passe quand il faut, hein. Est-ce qu'il faudrait passer au vert? T'es un peu fade à toi. Si, c'est ça. C'est ça. Je demande un ralenti. Quand? Ah bah non, du coup, j'ai rien compris. Ok. Ok, c'est très bizarre. Ok, on a réussi. Ok, on se casse. Non, on peut pas. Ok, la porte doit être de ce côté, peut-être. Non. Peut-être par là. Non, je peux pas. Ah, j'ai cru que j'avais glitché, mais en fait, non, même pas. Si je vais très très vite, ça fait quoi? Ça fait qu'on peut y aller et... Wow! Alors, quelque chose de terrible, de très mauvais, quoi. S'il vous plaît, ne pas paniquer ou tuer votre voisin. Donc, en gros, ok. Come you proxied. Proxys, je sais pas, là il manque une lettre. Diagnosing, je sais pas du tout ce que c'est. Là c'est un peu de l'anglais un peu trop compliqué pour moi.
Procédons à diagnostiquer. As we proceed. J'ai mis proceed, hein. Je sais pas. Proceed to diagnosing. Le problème est à regarder, à trouver une solution, en gros. In the meantime. C'est quoi le meantime? In the meantime, ça veut dire entre-temps. Voilà, c'est une chose que vous aurez appris avec Enax. Donc, entre-temps, toi, ta gueule. Non, c'est mon portable qui a fait n'importe quoi. Donc, entre-temps, utilisez ton temps to marvel. Ah, Marvel, ça veut dire quoi, Marvel? Non, pas Marcel, Marvel. Ah, Marvel, ça veut dire merveille. Oh, mais je suis nulle. Je savais même pas ça. Tout, donc, pour Marvel à 10-4. Donc, utilisez votre temps pour admirer ce chat, en gros, pendant ce temps. Donc, ouais. Donc, pendant que eux essayent de trouver un diagnostic pour le problème, machin, truc bidule, nous, il faut qu'on regarde ce cat. Click almost any button to continue. Ok, bon, c'est parti, on continue alors. Oh, mais oui, bien sûr. Game over. What? Alors, attendez. Comment ça s'appelle, ça, déjà? J'ai oublié. Parce que j'aimerais bien, du coup, savoir ce que c'est, cette... Mais j'ai jamais aimé les trucs comme ça. Mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, le dernier, c'est celui-là, hein. Et donc, après, ça fait ça. Oh, je suis dégoûtée. Je suis vraiment deg, pour le coup. Bon, je vous retrouve quand j'ai trouvé comment ça s'appelle. Ok, donc ça y est, j'ai le mot, c'est un QR code. Donc c'est bon, j'ai téléchargé une application. Vous avez vu, le jeu m'incite à télécharger une application pour que je puisse essayer. Alors voilà, appuyez ici pour voir le menu de navigation. Ok, donc là je prends une photo, est-ce que ça va marcher? You see it? Oh fucking awesome. Ils sont sérieux! Ça veut dire ça! Le QR code. Arrêté pour moi, donc... je suis dégoûtée, j'ai téléchargé toute une application qui m'a pris pas trop tôt, mais 5 minutes. Pour avoir quoi? Ce truc. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu. À vous abonner, ça me ferait hyper méga plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et pensez à glitcher aussi, c'est un truc important. Bon, pas trop en cours, parce que sinon ça peut faire mal. Mais sinon, en jeu vidéo, vous pouvez, personne ne vous dira rien. Allez, ciao! Ça peut faire mal, ça peut surtout être un peu chiant. Voilà.